Hey, bonjour à tous, ici Big Bad Hater. J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour la journée des pirates. Un petit event qui est disponible uniquement aujourd'hui, c'est une fois par an et c'est aujourd'hui que ça se passe, donc on perd pas de temps et on y va tout de suite. Lors de ce petit event, vous allez pouvoir récupérer différents jouets, des hauts faits et aussi des transmots temporaires. Et pour bien commencer l'event, il va falloir vous rendre à Baie du Butin, près du capitaine Demesa de l'Effroi. Alors vous allez la trouver facilement, c'est le Bob sur le toit de la banque de Baie du Butin. Une fois que vous lui avez parlé, elle vous propose plusieurs choses. Vous avez dans un premier temps une petite quête, ensuite vous avez l'opportunité de boire un coup avec elle et aussi la possibilité de lui acheter des petits items. Et on commence tout de suite par la quête, il va vous falloir un plus gros bateau. Elle vous demande simplement de récolter 33 dents de requins acérées qui se trouvent juste à côté de Baie du Butin. Alors là, rien de plus simple, vous oubliez les dents de la mer, vous plongez dans l'eau et vous butez du requin à la pelle. Une fois que vous avez récupéré les 33 dents, vous retournez lui parler et elle va vous filer 5 tenues de pirate d'urgence. Maintenant, si vous décidez de boire un petit coup avec elle, vous allez valider le haut fait le butin du pirate et elle va vous filer également le buff corsaire de l'effroi qui va vous changer en pirate pendant une durée de 12 heures. Elle vous propose aussi plusieurs petites choses à acheter. Vous avez tout d'abord le rhum explosif, donc du rhum qui met cher a priori. Un grand sac de butin vendu pour 300 pièces d'or. En l'utilisant, vous allez balancer plein de petits sacs de pièces autour de vous, ce qui va permettre aux gens riches de pouvoir partager leur PO. Et enfin, le dernier item pétaille va faire simplement apparaître sur votre épaule un petit oiseau. On en a fini avec la capitaine Demesa de l'Effroi, mais c'est pas terminé pour les veines. Vous avez aussi la possibilité de récupérer le jouet livre d'insultes légèrement mâchouillé que vous allez pouvoir looter sur le rare élite Vieux Louis. Donc c'est un gros requin qui se promène dans l'eau juste à côté de Baie du Butin. Il a tendance à pop toutes les 30 minutes, sachant que vous n'allez pas récupérer forcément le livre d'insultes à 100%. Ce petit jouet va vous permettre de balancer des insultes de pirates. La seule chose qui est dommage quand même, c'est qu'il a un CD de 30 minutes, donc ça fait quand même une insulte toutes les 30 minutes. Je trouve ça pas forcément beaucoup. Et maintenant, on va s'attaquer à la dernière chose, la plus importante et surtout la nouveauté de cette année 2017. Vous allez pouvoir récupérer le petit jouet pavillon noir, mais il y a quand même pas mal de prérequis. Pour pouvoir acheter cet item, vous devez d'abord avoir le titre amiral de la voile sanglante. Et donc c'est là que ça commence à devenir compliqué parce qu'il va falloir farmer. Pour débloquer la quête qui va vous donner ce titre, il va falloir dans un premier temps être haï auprès de Baie du Butin, mais également amical auprès de la réputation la voile sanglante. Et là, pour faire ça, vous n'avez pas 36 solutions, il va falloir buter des cogneurs de Baie du Butin. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire en groupe. En plus, aujourd'hui, dans la recherche de groupe, il y a énormément de petits groupes qui se montent. Personnellement, on est parti avec un petit groupe de 5 et en 2 heures, on a réussi à se faire haïr par Baie du Butin, mais aussi à monter la réputation de la voile sanglante. Pour passer en guerre, alors là il vous suffit d'ouvrir vos réputations, de prendre celle de Baie du Butin et de cliquer sur le en guerre. Une fois que vous êtes haï par l'ensemble des PNJ de Baie du Butin et que vous êtes amical auprès de la voile sanglante, il va falloir vous rendre au sud de Baie du Butin. Vous allez apercevoir trois bateaux, vous rentrez dans celui du milieu et là vous allez chercher les deux petites quêtes. Ces deux petites quêtes vont simplement vous demander d'aller tuer deux mobs à l'intérieur de Baie du Butin. Donc là vous y retournez, vous butez les mobs et vous revenez directement rendre les quêtes. La première quête va vous donner en récompense un petit sac avec des items de transmo à l'intérieur, donc vous allez pouvoir récupérer l'apparence de pirate. Et avec la deuxième quête, vous allez récupérer le couvre-chef de l'amiral, mais surtout vous allez valider le haut fait et récupérer le titre de l'amiral de la voile sanglante. À partir de ce moment là, il ne vous reste plus qu'à aller voir Edward Tech, le PNJ qui se trouve sur le rivage cruel, donc juste au nord des bateaux. Vous lui parlez et vous n'avez plus qu'à acheter le petit jouet, le pavillon noir, un petit jouet que j'apprécie beaucoup. Il vous permet de sortir un petit drapeau de pirate dans votre dos, ce qui nous permet de hisser nos couleurs. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo et de cet event là. Dépêchez-vous, vous n'avez que jusque demain matin pour pouvoir farmer cet event. Donc autant vous dire que si vous voulez récupérer le pavillon noir et vous trimballer avec votre petit drapeau de pirate dans le dos, vous n'avez plus qu'à buter du cogneur à la pelle à Baie du Butin. Sur ce, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée de farm. Je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas à partager la vidéo. À très très bientôt, salut.